kujazana trashe. Ona kule mbele adui ule anaanza sukuma mabombe abasoda bama vya sabane. Kuna kuna nase kibana trashe. Fare Ruindi Park. Sasa vile vimaikla vinakuyaka kale nikaikla kaile bombe ile ikla inatoka mwile bombe sinjo sina katakata mfuna kwa inakuwa ikenge mutusi wanaeza kibana fare bako mutrashe kabisa premier linye na trashe ya Ruindi kiba mvuma fare force d'action rapide adui iko na nyemerea adui njo ule kule mbele anajipanga mstari kabisa najipanga sana kabisa. Bitumba ya Ruindi inakuwa nguvu komanda. Chofare ile. Ndio. Tunaona kabisa Premier League. Mesdames et messieurs, Congo Live Télévision, une fois de plus à votre compagnie. Vous le savez, messieurs et dames, nous nous focalisons toujours sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, où nous nous trouvons présentement. Moi qui vous parle là, je suis à Goma, c'est en direct de la ville de Goma que nous réalisons cette émission. Voilà, mesdames et messieurs, des faits nous intéressent une fois de plus aujourd'hui, surtout sur le plan sécuritaire. Il y a de quoi aussi décrypter pour cette suite de la semaine. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis hier, nous étions en train de vous faire part des affrontements qui ont mis aux prises les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo qui ont fait face à la coalition RDF M23. Mesdames et messieurs, avec tout ça, c'est toute la journée d'hier lundi où il y avait des accrochages et je peux vous garantir, vous signaler que les positions des FARDC et des Wazalendo sont restées les mêmes et la grande, disons, les grands changements qu'on peut noter, c'est depuis même le dimanche et ça s'est confirmé hier lundi, c'est ces retraits des troupes dit M23 sur un village toujours dans les territoires de Kalehe en province du Sud Kivu. C'était tout près de Minova. Je vous parlais hier de cette prise momentanée parce que les M23 ont récupéré justement ces villages et eux-mêmes ont quitté sans pour autant qu'il y ait des affrontements. Donc de la même manière qu'ils ont récupéré ces villages, c'est de la même manière qu'eux-mêmes ont quitter les villages parce que je vous ai parlé de c'était stratégique pour eux, ils se sont retrouvés déjà en difficulté parce que c'était très difficile de rester là-bas tout en se mettant aussi subir dans les jours à venir d'autres offensives des FARDC qui pouvaient venir de partout au nord, au sud, à l'est comme à l'ouest et c'est dans cette logique qu'ils ont jugé bon d'abandonner. Alors mesdames et messieurs, avec tout ça aujourd'hui, il y a lieu d'abord de retenir une chose, c'est que les forces armées de la RDC et les Wazalendo gardent leur position. Et au-delà de ça, parce que les Wazalendo ont lancé quelques offensives pour la journée d'hier, et c'était dans le territoire des Rutshuru, pour la journée d'aujourd'hui, pardon, dans le territoire des Rutshuru et à Masisi. Alors à Rutshuru, parce qu'il y a toujours des exactions, on va en parler, là où les M23 ne cessaient de nous dire qu'ils contrôlent parfaitement la situation, qu'ils sont en train de protéger la population. Mesdames et messieurs, je vais vous prouver le contraire, parce que là, il y a des tueries à répétition, des cambriolages, même là où les M23 sont en train de contrôler. Donc, il ne faut pas aussi tomber dans leur piège, surtout quand ils font leur propagande, et croire justement que c'est eux qu'on peut considérer comme les libérateurs. Ce n'est pas le cas, parce que bien au contraire, c'est eux, là où ils sont, la situation est en train de s'empirer. Mesdames et messieurs, toujours en province du Nord Kivu, une position des rebelles du M23, comme je le disais pour aujourd'hui,
attaqué par des résistants, voilà Wazalendo. C'est une position de RDF M23 qui a été attaquée justement par les résistants. Wazalendo sur la colline Ndalingi. Voilà, la colline Ndalingi qui a été occupée justement par les M23, mais les Wazalendo ont mené des assauts là-bas. Et quand on dit les Wazalendo ont mené des assauts, ce n'est pas avec la force aérienne. Les Wazalendo, elles viennent, c'est corps à corps. Et c'est ce qui explique justement leur détermination. C'est ce qui explique aussi tout ce qu'ils ont toujours pris comme défi sur les RDF M23 quand il s'agit de ces combats corps à corps. Pour les FRDC, ils utilisent souvent la force aérienne et essaient un peu de pilonner les positions de l'ennemi à distance. C'est comme ça que ça se passe, mesdames et messieurs. Et comme ça se joue justement avec une complicité FRDC Wazalendo, les M23 sont toujours en difficulté. Donc dans le territoire de Masisi, à part les retraits qu'on a enregistrés avant-hier, des troupes RDF M23 dans ces villages en province du Sud Kivu, aujourd'hui, ce sont maintenant les Wazalendo qui mènent des assauts contre l'ennemi. Alors, est-ce qu'on peut être toujours optimiste parce qu'on en parle moins aujourd'hui? Mais mesdames et messieurs, à tout moment, ça peut s'amplifier, ça peut aussi s'intensifier tous ces affrontements. Donc, nous restons là en train d'observer parce qu'on a même nos sources qui nous donnent des informations en temps réel. Mais maintenant, là, je suis en train de vous parler. Lorsqu'il y a une information bien vérifiée, je n'hésiterai pas aussi de vous la donner parce que vous le méritez, comme je l'ai toujours dit. Cette confiance que vous renouvelez à nous aussi, d'en faire bon usage et de vous mettre toujours au parfum de l'actualité. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, dans le territoire de Masisi, je le disais, les dangers s'est éloigné. Je ne peux pas dire totalement, mais les dangers s'est éloigné de la cité de Sake. Vous le savez, les M23 RDF voulaient à tout prix prendre le contrôle de la cité de Sake. Et quand on contrôle Sake, facilement, mesdames et messieurs, ils pouvaient prendre la ville de Goma comme ils voulaient, comme ils pouvaient bien sûr les vouloir. Parce qu'à bloquer toutes les ici pour les FRDC, ça devenait déjà très compliqué. Les FRDC, là, auraient juste une seule ici qui est la voie Lacustre, donc quitter Goma pour aller à Bukavu. C'est pour cela que les FRDC étaient, je peux dire, avaient aussi cette clairvoyance dès le départ en mettant un verrou sécuritaire beaucoup plus important autour de Sake et dans Sake exactement. Parce que les troupes de la SADC étaient même installés là à Sake et d'autres de la MONUSCO, bien que ces troupes de la MONUSCO n'ont jamais été aussi favorables ou disons n'ont jamais été, je peux dire, leur présence n'a jamais été profitable depuis que cette guerre a ressurgi. Mesdames et messieurs, il faut donc retenir, en mettant les verrous autour de Sake, ça nous a permis, au-delà du fait de contenir l'ennemi et de les repousser. C'est pour cela que vous n'entendez pas les M23 jouer sur Kimoka, parce qu'à Kimoka, c'est là où ils avaient enregistré des pertes énormes avec leur armement. Là, c'est autour de la cité de Sake. Alors, ils ont tenté de déborder vers le front au niveau des... en allant sur la route, disons, je peux dire Sake, Sake Minova. Et là, c'est avec la province du Sud Kivu. En se positionnant déjà vers Bweremana. Bweremana, c'est toujours quand vous allez vers la province du Sud Kivu, par la voie routière. Mesdames et messieurs, c'est comme ça que les M23 ont essayé un peu de prendre quelques collines. Et toutes ces collines, je vous assure, ont été récupérées par les FRDC. C'était la semaine passée. Bien au contraire, là où les FRDC sont toujours en train de pousser pour que l'ennemi soit toujours en difficulté, c'est à Chacha. Chacha, une partie est contrôlée par les FRDC, une autre partie par les M23. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les FRDC ne cessent aussi de récupérer des mètres, voire même des kilomètres, pour prendre tous les contrôles sur Chacha. Et ça évolue, en tout cas, comme il faut. Peut-être aujourd'hui, il n'y a pas de grandes nouvelles de ce côté-là. Mais mesdames et messieurs, moi, je vous assure, le fait d'abord de garder nos positions et bloquer l'avancée ou, disons, toute tentative de l'ennemi, ça explique déjà ce que nous sommes toujours en train de mettre en place. Et ça va aussi évoluer
parce que le FARDC, avec la même détermination, nous avons de quoi être optimistes. Mesdames et messieurs, toujours dans le territoire des masses ici, on a donc éloigné les dangers. Nous sommes en train de les faire aussi parce que les M23, je vous le disais, même ceux-là qui sont à Roubaix aujourd'hui, parce que c'est eux qui sont toujours à Roubaix, mais étant à Roubaix, ils sont aussi dans un qui-vive. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'en déplaçant déjà leur administration pour l'installer à Mouchaki, c'était déjà un signal fort où, disons, prouver combien de fois ils sont en difficulté tenant compte de l'avancée des FRDC et qui sont aujourd'hui, les FRDC et les Ouazalendo sont à moins de 10 km des Roubaix. Voilà en gros, avec toutes ces stratégies, comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir du travail que les FRDC sont en train de faire. Parce que, vous le savez, avec le déploiement des troupes rwandaises, ougandaises, dans les rangs des M23, avec l'armement qu'ils avaient, parce qu'on ne peut pas minimiser l'armement. C'est un peu différent de ces M23 qu'on a connus en 2012. C'est différent du CNDP connu entre 2007 jusqu'en 2009. C'est totalement différent, mesdames et messieurs. Même les RCD, voire même l'AFDL. Aujourd'hui, ils se sont en tout cas bien préparés et ils bénéficient beaucoup plus de ces soutiens, de ces pays qui ont toujours voulu voir la République démocratique du Congo rester dans cette même situation. C'est pour cela que les M23 avaient des armes aussi sophistiquées. Mesdames et messieurs, nous pouvons donc nous réjouir déjà de ces travail qui continue toujours à être fait par les FRDC et par les Ouazalendo. Voilà donc ce qui explique aussi, comme j'étais toujours en train de vous faire les points, ce qui explique ces petits retards aujourd'hui pour voir les FRDC récupérer la quasi-totalité de toutes ces entités. Il faut reconnaître cela. Alors, pour que nous puissions aussi, parce que ça, c'est ça aussi la réalité que nous devons nous dire en face. Parce qu'il y a des gens qui veulent comparer les choses et qui veulent voir les FRDC et les Ouazalendo prendre les contrôles des... prendre les contrôles récupérer voilà toutes ces entités aujourd'hui qui sont récupérées par les M23 dans moins d'une semaine. Oui, c'est notre souhait, mais il faut reconnaître aussi certaines réalités. Entre autres, les M23 RDF se sont beaucoup plus préparés et ils sont venus avec une forte détermination contrairement à l'équipe de 2012. Parce qu'en 2012, on ne pouvait pas voir le Rwanda dévoiler à la face du monde qu'il est présent en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, il est en train de le faire. Alors avec ça, nous profitons aussi de ces soutiens populaires, nous profitons aussi de ces déterminations des Ouazalendo et justement l'exécutif actuel, donc le gouvernement, qui essaie un peu d'accompagner les efforts militaires ou de se lancer dans cette option pour que le FRDC ne manque de rien pour qu'elle puisse justement faire face à toute éventualité de la part de l'ennemi. Et c'est comme ça que les choses sont en train d'évoluer. Voilà, mesdames et messieurs, donc c'est pas dans peu de jours qu'on peut récupérer toutes ces entités. Voilà pourquoi les FRDC sont en train d'y aller progressivement, au-delà du fait de le faire progressivement, parce que nous devons tenir compte aussi de la stratégie de l'ennemi. L'ennemi a toujours voulu, quand vous récupérez une entité, lui, il essaie un peu de créer une diversion et qu'il revienne dans la même entité ou soit récupérer une autre entité. Voilà pourquoi vous voyez les FRDC d'abord avancer tout en gardant efficacement, je dis bien, les positions qu'ils ont récupérées entre les mains de l'ennemi. Et c'est comme ça que les choses sont en train d'évoluer. Ça va faire bientôt des mois que les M23 n'avancent plus sur tous les fronts, à Rutshuru, à Masisi, et sur tous les fronts des Nyiragongo aujourd'hui qui n'est pas aussi ouvert Kibumba, qui n'est pas trop aussi actif, parce que là, nous ne signalons pas beaucoup de mouvements. Sauf les derniers mouvements qu'on a enregistrés, c'est la désinstallation de tous les matériels pour les M23. Ils ont désinstallé leur matériel qui était sur la route Kibumba vers Rutshuru Centre. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qu'on doit retenir justement avec cette avancée. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur un autre point. Et là, c'est dans le territoire de Rutshuru. J'étais en train de vous faire part que les M23 aujourd'hui ont dit mal, disons, leur discours, voilà, ce qu'ils ont toujours
présentés en faisant leur propagande, se présentant comme les sauveurs, se présentant comme ceux-là qui viennent pour bien protéger la population. Mesdames et messieurs, c'est bien le contraire. Parce qu'avec tout ce que nous sommes entrés d'avoir comme information, parce qu'on a des sources même à Rutshuru, on a des sources même là où les M23 sont en train de contrôler. Et j'ai dit à nos sources de continuer toujours à faire le travail efficacement. Vous devez être aussi vigilant. Parce que nous comptons beaucoup plus sur vous pour que l'opinion, tant nationale et internationale, puisse être informée. C'est grâce à vous aussi. Vous êtes à Rutshuru, vous nous donnez les informations. Faites-les avec beaucoup de prudence parce que nous avons toujours besoin de vous. Moi, personnellement, je sais que si une fois vous êtes attrapé là-bas, ça sera très difficile pour vous. Bien qu'on a toujours dit, c'est Dieu qui a nos vies entre ses mains. Mais je sais très bien comment est-ce que les exactions sont en train d'être commises là-bas. Donc aujourd'hui, il y a des tueries à répétition, même des cambriolages. Il y a des bandits, je ne sais pas s'ils sont des mèches avec les M23, qui viennent la nuit entrer dans des maisons déjà pour piller, pour séquestrer les gens et donc prendre tout ce qu'ils vont trouver, les biens, que ce soit l'argent, ils prennent tout. Et laisse la population, en tout cas, entrer, se demander comment est-ce que, quel sera leur avenir, voilà. Au-delà du fait de prendre même des produits que les gens ont récoltés, ils prennent leur bétail, beaucoup de choses qu'ils essaient un peu de récupérer. Et voilà, mesdames et messieurs, les M23 ne sont pas là pour protéger la population. Surtout les RDF, je précise bien. Parce que les RDF savent, ce n'est pas la population rwandaise qui est en train de souffrir dans les entités aujourd'hui qui sont occupées par ces agresseurs de la République démocratique du Congo. Ce ne sont pas les Rwandais qui sont en train de souffrir dans les camps des déplacés. Alors, elles viennent et ne se soucient en tout cas de personne. Voilà pourquoi elles sont en train d'agir comme des animaux sauvages, permettez. Et voilà, donc, ils viennent. Si vous n'obtempérez pas aux ordres qu'ils sont en train de vous donner, ils vous exécutent. C'est comme ça que ça se passe. Chaque jour, il y a des morts qui sont enregistrées à Rutshuru. Il y a des morts qui sont enregistrés. Même à Bunagana, là où ils sont en train de se vanter, aujourd'hui, on disait que Bunagana est devenu un paradis. Mais c'est faux. Un paradis où on enregistre les tueries à répétition, ce n'est pas le cas. Donc, partout là où ils sont, ce sont toujours des tueries. À Rutshuru, 5 personnes dans un seul jour ont perdu la vie. On se demande dans quelles circonstances. Parce que ce sont des hommes armés qui sont venus. Et quand il y a des hommes armés, moi, je ne vois pas une autre force ou disons un autre groupe venir avec les armes et opérer dans les entités où on a les M23. Je ne vois pas ces groupes. Je ne vois pas ces groupes. C'est eux-mêmes qui sont en train de contrôler les entités et viennent. Tantôt, ce sont les règlements de compte. S'ils vous soupçonnent de collaborer avec les forces gouvernementales, de collaborer même avec certains médias à Goma et partout en République démocratique du Congo, en leur défaveur, c'est ils vont s'apprendre à vous, soit on vous tire, soit il y a même des tortures et vous n'arrivez même pas à résister. Ils peuvent vous torturer et tout juste après, vous allez mourir de toutes ces blessures que vous avez enregistrées. Voilà en gros, mesdames et messieurs, ce qui doit être aussi notre leitmotiv pour faire face à n'importe quelle éventualité de la part de nos ennemis. Voilà donc, comme j'étais en train de le dire, à nous de rester toujours solidaires. Même nos compatriotes qui sont dans les entités occupées par les M23, nous devons être solidaires envers eux. Nous devons être aussi solidaires envers nos compatriotes dans les camps. Eh bien, je tiens à vous le rappeler parce que ce n'est pas parce que je ne le dis plus que les besoins n'est plus aussi urgent. On a les déplacés là-bas qui sont dans les camps des déplacés. Et nous, comme Congolais, avec cet esprit patriotique, la solidarité patriotique, doit nous animer. Donc, on doit toujours assister nos compatriotes avec le paix que vous avez. Faites-les, même si vous n'êtes pas à Goma, vous êtes en dehors de la ville de Goma, venez, essayez un peu de contacter les gens qui sont là, et puis on va essayer un peu, qui vont essayer justement d'apporter des aides aussi nécessaires aux déplacés. Les déplacés sont toujours là. Au-delà de ça, j'appelle nos compatriotes qui sont dans les endroits toujours occupés par les M23, RDF, à une résilience. Soyez toujours résilients. Comptez sur la détermination de Wazalendo et du gouvernement avec les FARDC pour venir vous libérer. Parce qu'ils vont venir vous libérer et c'est un travail qui s'est fait déjà. Donc,
Ne vous en faites pas, bientôt vous verrez les FARDC et les Wazalendo là où vous êtes. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Je ne peux pas manquer à vous dire merci de nous avoir suivis. Alors, vous pouvez me contacter au +243 9 98 72 43 14. +243 9 98 72 43 14. Jenline Toali, c'est bien moi, à la présentation de ces décryptages. Demain, un autre jour, un autre rendez-vous sur Congo Live Télévision. Vous et les vôtres, portez-vous bien.